Hey French learners, kohomada kattiya? Iti onna waluthma French lesson ekak ekka. Iti me video ekama hitena okolanta godak watina video ekak. Mokada meka man okolanta kiyala denna yanne kohomada tamanwa introduce karanne kiya French wilin. How to introduce myself. Iting amatha ganne pa okolu subscribe karanne danna kiyala subscribe karanne bell icon ekak click karanne. Amatha ganne pa Tuesday hayata French lesson ekak ena. Iting touch ekek inna. Ekmanima video ekata yan. ඔගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ ෆ්‍රෙන්ච් වලින් මොකක්රි වුණ දෙයක් අහද්දී කෙනෙක්ගෙන් දෙවිදයක් තියෙනවා කියන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වර්ෂන් එකකුත් තියෙනවා ඒක ඉන්ෆෝමල් වේ එක ඒ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වර්ෂන් එක අපි යූස් කරන්නේ එකම වැසෙක් කෙනෙක් නැත්නම් ක්ලෝස් වගේ කෙනෙක් නම් අපේ යාළුවෙක් අපේ දෙමව්පියෝ අපේ ෆැමිලි එක කෙනෙක් නම් ඒ වගේ පොලයිට් වර්ෂන් එකක් තියෙනවා ඒක ෆෝමල් වේ එක අපි යූස් කරන්නේ දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් නැත්නම් වැඩිමල් කෙනෙක් නම් ටීචර් කෙනෙක් සර් කෙනෙක් පාරේ අපි දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් වැඩිමල් කෙනෙක් නම් ඒක රෙස්පෙක්ට් විදිහකට අපි දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් අපි යූස් කරන්නේ පොලයිට් වර්ෂන් එක. ඒකයි මම ඉස්සෙල්ලා මම දෙකම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඉතින් මුලින්ම එක්කෙනෙක් කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට introduce yourself කියලා French වලින් කියන්නේ මේම තමයි. Présente toi. ඉතින් මේක කියන්නේ informal way එක. Présente toi. Présente toi. ඉතින් ඒක නිකන් අපේ close එකෙක් නම් අපේ එකම වැසෙක් කෙනෙක් නම් කිව්වොත් ඔයාව introduce කරන්න කියලා. ඒ වගේම ඒකේ formal way එක ඒක polite විදිහකට කිව්වොත් මේම තමයි කියන්න ඕනේ. Présentez-vous. 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 ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන නම් ඔයාගේ මොකක්ද කියලා කෙනකින් අහන්න ඕන නම් informal way එක ඒ කියන්නේ friendly version එක අපි කියන්නේ comment t'appelles-tu comment t'appelles-tu ඒක තමයි grammatical හරි විදිය නැත්නම් සාමාන්‍ය අපි කතා කරන භාෂාවෙන් අපි කියන්නේ comment tu t'appelles comment tu t'appelles ඒකේ polite version එක අපි දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් වැඩිමල්ලි කෙනෙක් නම් අපි මෙහෙම තමයි කියන්න ඕනේ comment vous appelez Comment vous appelez? Katagram basan api kiyanne vous appelez comment? Vous appelez comment? Iting ekek nam ada friendly version eken e prashne ay wotin comment tu t'appelles? Mama uttare denno ne je m'appelle Trishan. Je m'appelle Trishan. Et toi kene and you. Eka friendly version eka. E wage me e prashne polite widiyakata ekkenek magin ayawana ekena polite version eke Comment vous appelez? Mama uttare denno ne polite version eken ekenne je m'appelle Trishan et vous. Je m'appelle Trishan eke kama wage et vous kene and you. Habai eka polite version eke et vous. Oyage vayase kiyeda eka friendly version eken kiyuwathin mema thama kiyanne one tu as quel âge? Tu as quel âge? Attends, mais maintenant pour long. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Hari grammatical video de kiyanne ona mema thama kiyannone. Quel âge as-tu? Abe api kata karanne bahasa wen api kiyanne tu as quel âge? Tu as quel âge? E tore prashne polite video de kiyanne ona danne nathi kinek nam naththam wedi malle kinek nam api mema thama kiyannone. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Naththam eka thama grammatical hari video naththam api kata karanne bahasa wen mema thama kiyannone. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Et toi, autour de nous, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans. J'ai, can I have 25, can 25 ans, can I years old? Et man vidéo kara numbers vidéo kara et ogolo vidéo ek vidéo ge baluwe naththam gila balanna. Et ogolo ogolonta hariyata ogolonge vayasa kiyanna puluwan. Et ogolo meme kiyannone j'ai ඊට පස්සේ ඔගොල්ලෝ නම්බර කියලා වයස නම්බර කියලා on දාන්න on කියන්නේ years old. හැබැයි මෙතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි එක බලද්දි. මොකද ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියන්නේ I am 25 years old. I am කියන්නේ I am. හැබැයි ෆ්‍රෙන්ච් වලින් අපි කවදාවත් I am කියන්නේ නැහැ වයස කියද්දි. අපි කියන්නේ I have. I have තමයි අපි use කරන්නේ. I have කියන්නේ j'ai. I am කියන්නේ je suis. කවදාවත් I am 25 years old කියන්නේ නැපා. ඉන් ෆ්‍රෙන්ච් වලින් මොකද එමෙ කිව්වොත් මෙමෙ තමයි කියන්නේ je suis 25 ans. ඒක වැරදි කම්පලීට්ලි වැරදි මොකද ඒක නැත්තම් ඒගොල්ලෝ අමුතුට බලයි එහෙම කියද්දි මොකද කවදාවත් අපි I am use කරන්නේ නැහැ අපි use කරන්නේ I have 25 years old ඒ තුනේ අපි කියන්නේ j'ai 25 ans කවදාවත් කියන්නේ නැපා je suis 25 ans je suis කියන්නේ I am ඒක කියන්නේ නැපා අපි කියන්නේ I have 25 years old j'ai 25 ans
ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් එක්ක බලද්දි ෆ්‍රෙන්ච් වලින් තව පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉංග්‍රීෂ් වලින් අපි කියන්නේ I would think how old are you කියලා අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් දිග version එකත් එක්ක. දිග version එක තමයි I am 25 years old. නැත්නම් කෙටි version උත් තියෙනවා I am 25. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ච් වලින් අපිට කෙටි form use කරන්න බෑ. හැමතිස්සම දිග version තමයි use කරන්න ඕනේ. නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ කියන දේ. මොකද අපි කිව්වෙ ඉතින් j'ai 25 on years old. ඉතින් on කියන්නේ නැත්නම් අපි j'ai 25 විතර කිව්වෙ ඉතින් බලයි මොකද කියන්නේ කියලා. I have 25. මට 25 ළමයි 25 දෙනෙක් ඉන්නවද? මට මේ යුරෝ 25ක් තියෙනවද? gifts 25ක් තියෙනවද? බලයි මොකද්ද කියලා. 25ක් මොකද්ද කියලා බලයි. මොකද අනිවාර්යෙන්ම වයස කියද්දි අනිවාර්යෙන්ම j'ai 25 ans කියන years old. ඒක දිග version එක අනිවාර්යෙන්ම use කරන්න ඕනේ. නැත්තම් තේරෙන්නේ නැහැ මොනවද කියන්නේ කියලා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා on. මෙතන on කියලා දාන්න. on කියන්නේ years old. ඉතින් s එක අපි pronounce කරන්නේ නැහැ. ඒතර කියන්නේ j'ai I have වයිස නම්බර කියලා මට 25ක් නිසා මං කියන්නේ 25 on නැත්නම් මට අවුරුදු 20ක් නම් j'ai 20 ans නැත්නම් 18ක් නම් j'ai 18 ans ඉතින් numbers දන්නේ නැත්නම් මගේ numbers video එක බලන්න ඒතොර පුළුවන් ආරියට වයිස කියන්න පුළුවන් ගුණන්ට ෆ්‍රෙන්ච් වලින් ඔයාගේ birthday කවද්ද කියලා අහන්න ඕන නම් ඉතින් friendly version එක මෙහෙම තමයි කියන්න ඕනේ c'est quand ton anniversaire c'est quand ton anniversaire c'est quand ton anniversaire ඒක තමයි නිකන් grammatical හරි විදිය නැත්නම් අපි කතා කරන භාෂාවේ යොදින් ton anniversaire c'est quand ton anniversaire c'est quand ton anniversaire c'est quand ඒතරේ polite version එක c'est quand votre anniversaire c'est quand votre anniversaire c'est quand votre anniversaire ඒක grammatical හරි විදිය නැත්නම් කතා කරන භාෂාවෙන් පොළ විදියට අපි එකකට කියන්න ඕන මෙහෙම තමයි කියන්න ඕනේ votre anniversaire c'est quand votre anniversaire c'est quand votre anniversaire c'est quand කෙනෙක් ප්‍රශ්න ඇවිත් මෙහෙම තමයි උත්තර දෙන්න ඕනේ mon anniversaire est le 19 août mon anniversaire est le canné my birthday is il passe au langue ou pandini davese mase kiyanne ithin numbers maith kiyanne ne mokada man numbers video ekak kara issella e wage me sumani davas avurudhi masawal man ipen episode ekak kara ithin eka gilla balanna ogula baluwe naththam ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හරියට කියන්න පුළුවන් වෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ birthday එක ඒ වගේම එක්කෙනෙක් කියවුවා ඉතින් ඔයයි පුදුනේ කවද්ද කියලා ඉතින් මේම තමයි friendly version අපි කියන්නේ tu es né quand tu est né quand ඒක අපි කතා කරන භාෂාවේ වෙන විදිහක් බේ grammatical හරි විදිහ කියන්න ඕන නම් මම තමයි කියන්න ඕනේ quand est-ce que tu es né quand est-ce que tu es né quand est-ce que tu es né ඒතකොට ඒකේ polite විදිහ vous êtes né quand vous êtes né quand ඉතින් අපි කතා කරන භාෂාවේ polite විදිහ අපි කියන්නේ නැත්නම් grammatical හරි විදිහ අපි කියන්නේ Quand est-ce que vous êtes né? Quand est-ce que vous êtes né? Et tout rapide, vous allez donner le même. Je suis né le 19 août 1995. Maman y peut donner. Agosto d'Arname. Et namesia à nous parer. Je suis né le quand I was born on. Il passe au long de. ඔගලොන් ඉපදුනේ දවසේ මාසේ අවුරුද්ද කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මායි කියන්නේ ඔගලෝ numbers දන්නේ නැත්නම් ගිල්ල මගේ numbers episode එක බලන්න. ඒ වගේම මාසවල් දන්නේ නැත්නම් ඒකත් බලන්න. ඒ වෙන episode එකක් තියෙනවා ඒකත් බලන්න. ඒකට ඔගලොන්ට අරයට කියන්න පුළුවන්. ඔගලෝ කවද්ද ඉපදුනේ කියලා. ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? ඒකට අපි French වලින් කියන්නේ friendly version එක où habites-tu? Où habites-tu? ඒක නිකන් ඒක grammatical හරි විදිය. අපි කතා කරන භාෂාවෙන් ගොඩක් අපි කියන්නේ tu habites où. ගණිත පිට tu habites où. එහෙම තමයි අපි ප්‍රශ්න අහන්නේ friendly version එකට. පොලයි විදිහට ඒ ප්‍රශ්න අහන්න ඕන නම් මෙහෙම තමයි කියන්න ඕනේ où habitez-vous. Où habitez-vous. ඒක grammatical හරි විදිය. ඒ වගේම කතා කරන භාෂාවෙන් පොලයි විදිහට අපි කියන්නේ vous habitez où. Vous habitez où. Vous habitez où. ඒතොර ඒක උත්තර දෙන්න ඕනේ මෙහෙම තමයි I live in Paris qui vous dit I live in Colombo même dans ma canonne j'habite à Paris I live in Paris
J'habite à Colombo. I live in Colombo. Et donc, le dernier nom, c'est Happy French Learning, City à Kienan, Happy I live in Kilabase, City à Danan, Happy Invenum, Happy French Learning Kienan, A. J'habite à, il doit c'est City à Dan. J'habite à Paris, I live in Paris, j'habite à Colombo, j'habite à Jaile, I live in Jaile, I live in Tokyo, j'habite à Tokyo, Amitissime, City à Kienan, Anivareme, City à Rissella, A Dan, A Kienan, In. හැබැයි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා රටක් දැම්මොත් අපි හිතමු දැන් කියනවා නම් I live in France නැත්නම් I live in Sri Lanka අපි ආදාන්නේ නැහැ ආදාන්නේ සිටියක් නම් මේ දැන් සිටියක් නෙමෙයි නිසා ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා ඉතින් ඒක මම හරියටම explain කරන්න වෙන video එකක learn French වෙන video එකක් මම කරන්නම් ඒක කොහොමද use කරන්න කියලා හැබැයි I live in France කියුවොත් මම තමයි කියන්න ඕනේ j'habite en France A කියන්නේ j'habite à France කියන්නේ වැරදි j'habite en France en IN J'habite en France. Attends, I live in Sri Lanka. J'habite au Sri Lanka. J'habite au Sri Lanka. Et en étant au, et que bien sûr, et la tête, il va chine, patangan, akuru, anuintama, pitorane, on de au de kira. J'habite au Japon. I live in Japan. J'habite au Japon. I live in Australia. J'habite en Australie. I live in England. J'habite en Angleterre. Et bien, être mais que à court terme, une vidéo sera faite. Mais pas cette vidéo car en Angleterre, il est temps d'expliquer à nos communautés que cela n'est qu'là. Eh ben, maintenant, dans la vidéo, cela n'est qu'à dire l'ancavé. I live in Sri Lanka. Qui veut dire, j'habite au Sri Lanka. Et maintenant, qui est né? Gamma ratat. Dès que maintenant, qui est non, mais maintenant, qui est non, hein? I live in Colombo, in Sri Lanka. J'habite à Colombo, au Sri Lanka. J'habite à Colombo, au Sri Lanka. Attends, I live in Paris, in France. J'habite à Paris, en France. What is your nationality? It's a happy friendly version of the name. Tu es de quelle nationalité? Tu es de quelle nationalité? Et que polite version est à main. Vous êtes de quelle nationalité? Et toi, où t'es le nom même? Je suis de nationalité Sri Lankaise. Je suis de nationalité Sri Lankaise. Et qui m'a dit, my nationality is Sri Lankan. Si vous avez une nationalité de 4 Tiranan, dual nationality de Tiranan, je vais vous dire, maintenant qui est un nom. Je suis de nationalité Sri Lankaise et française. Française qui est French. Et qui est N, française qui est French. Et je vais vous dire que je suis de double nationalité, mais je vais vous dire que j'ai une double nationalité. J'ai une double nationalité. Friendly version of the game, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Et que grammatical harivide, je vais vous dire que je vais vous dire tu viens d'où? Tu viens d'où? Et que polite version, d'où venez-vous? D'où venez-vous? Exactement grammatical harividien. Attends, catagramme basse avec un mémat qui en a plus. Vous venez d'où? L'autre des noms les mêmes. Je viens du Sri Lanka. Je viens du Sri Lanka. Attends, tout le monde fait un chicken qui est I come from France. Je viens de France. Quelle est ton origine? Quelle est ton origine? Origine. Allez, pour l'instant, c'est origine. Quelle est ton origine? Et pas pour la vidéo qui est non, mais maintenant qui est non, quelle est votre origine? Maintenant, même Arga Marunan, mais qui est non, boulant. Quelle est votre origine? Et tout l'autre des noms, même. Je suis d'origine Sri Lankaise. Je suis d'origine Sri Lankaise. Tinggi kini kaya waktu yang orang mana dekat ni jiwit eh, tinggi kaya ada sekarang ni orang job dah kerana dah studies kerana dek iela. Iting, ega api French ni kaya ni friendly version ni kaya. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Ega friendly version ni kaya. Iting, polite version ni kaya api kaya ni. Vous faites quoi dans la vie? Vous faites quoi dans la vie? Et puis habituellement, le terme studies que dans l'université allemande qui est là, mais maintenant qui est nommé. Je suis étudiant à l'université. Je suis étudiant à
l'université. Tu as ce volontaire ou non, université, la matière n'a plus long. Je suis étudiant à l'université, NSBM, NSBM, et là, on a la matière n'a plus long. Et là, on a plus long. À l'ouest, il y a un et scolaire, non, qu'il y a un an. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Maman, t'as mis scolaire, non. À plus long, le job d'un carré, non, et un volontaire, non, non, maman. Et quand on donne Kenek, même temps qu'il y a donné, je suis un comptable. Je suis un comptable. Maintenant, on dit qu'il y a donné, maman, ingénieur Kenek. Je suis un ingénieur. I'm a salesman qui est ting. Je suis un vendeur. Je suis un vendeur. Maman, tu dis Kenek. Je suis un professeur. Je suis un professeur. Maintenant, maman, docteur Kenek. Je suis un docteur. Je suis un docteur, maintenant je suis un médecin. Professionnel dans je suis un danseur professionnel. Je suis un danseur professionnel. Professionnel singer kinek. Je suis un chanteur professionnel. Je suis un chanteur professionnel. Tema me jobs generally ki wet ma passe video karanna jobs French reading thing ogolon tarite itogolon ogolon tarite ogolin job ek kiyanna pulwan French reading kohida wede karanne thing French reading friendly version ek mema tama kiyannone où travailles-tu où travailles-tu iting grammatical hari vidiya iting api katha karana bahasa api godak mema tama kiyanne tu travailles où tu travail ou et que friendly version est une polite version est capable de dire où travaillez vous où travaillez vous et que grammatical harvidier catagram basse avec polite vidéo capable de dire vous travaillez où vous travaillez où la plus très dénée même je travaille à il va se rouler avec la grande campagne la madame je travaille à qui est maman avec la grande il va se à passer dans la longue campagne la main. Je travaille à Legend Trust Bank. Je travaille à Microsoft. Je travaille à Samsung. Et là, au grand temps, compagnie de madame. Oyamola de Grana, c'est free time. Il y a un French link. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Temps libre. Et que friendly version n'est pas. Polite version n'est pas. Et pas mais madame qui a non. Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? Et tout le monde non. Même un exemple qui peut être non. Et tout le monde est autour de non. Pendant mon temps libre, j'aime. Et que minimum. Je free time meke mama aasai ඊට පස්සේ උගල කියන්න ඕගලන්ට ආස කරන දේවල් ඉතින් මම examples කීපයක් කියන්නම් free time එක කරන්න පුළුවන් දේවල් ඉතින් මම මෙතන full sentence එක කියන්නේ නැහැ නැත්නම් ඉතින් වැඩි ඕගලන්ට boring වෙනවා ඒක මෙතන sentence එක ඇවුවොත් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න my free time මම කරන්න ආසයි කියන්නේ pendant mon temps libre j'aime ඊට පස්සේ ඕගලන්ට දැන් මම කියන examples ටික ඕගලන්ට ආස examples ටිකක් තියෙනවා Et il y a un passé d'âne. J'aime, il y a un d'âne. Le synchronisme qui est chanté. Pendant mon temps libre, j'aime chanter. Le synchronisme qui est danser. Le synchronisme qui est travel, voyager. Travel qui est voyager. Instrumental player, jouer un instrument. Jouer un instrument. Instrument. J'aime courir. Courir qui est douane. J'aime me promener. Me promener, il y a une hymne. Me promener. Maintenant, pour qui va lire des livres. Lire des livres. Maintenant, Sindhu Aran, écouter de la musique. Écouter de la musique. Écouter de la musique. Sports, faire du sport. Faire du sport. Vidéos balan. Regardez des vidéos. Regardez des vidéos.
අපි තුමු SL Trish YouTube videos බලන්න. අන්න මම තව කියන්න ඕනේ. Regardez les vidéos YouTube de SL Trish. Regardez les vidéos YouTube de SL Trish. Maintenant, vous voulez dire TV බලන්න. Regardez la télévision. Regardez la télévision. Films බලන්න අසන මම තව කියන්න ඕනේ. Regardez des films. Regardez des films. Yalonde Kolkanasena. Appelez mes amis. Appelez mes amis. Games Ganasena. Jouez aux jeux vidéo. Jouez aux jeux vidéo. Alut languages Ingrana. Apprendre de nouvelles langues. Apprendre de nouvelles langues. Abutum French Ingrana. Apprendre le français. Apprendre le français. Oya monada asenette, eating French feeling, friendly version api prashnehanne meema. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Polite version ege, memetama kiyannone. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et tore memetama utere dennone. Je n'aime pas. Il est passé kiyanna uglo asenette ide. Et donc, je n'aime pas qui est né, maman a assené. Il va se dire qu'il y a une idée. Et puis, maman a assené, maître, tu es sur l'assené. Et donc, maintenant, on va te dire le nom. Je n'aime pas le fromage. Fromage. Fromage qui est cheese. Je n'aime pas le fromage. Et donc, c'est la même activité qui est là, ou que l'on est free time, et qu'on est là. Et donc, activité sur l'un, ou que l'on a assené direct, qui est là. Et donc, ou que l'on a assené tant. Je n'aime pas danser. Je n'aime pas danser. Je n'aime pas lire des livres. Je n'aime pas lire des livres. Je n'aime pas le rouge. Je n'aime pas le rouge. I hate kiyanne. Je déteste. Kiyanne asamane. Je déteste. Il passe d'âne. Cheese man asamane kiyala kiyutin. I hate cheese kiyutin. Je déteste le fromage. Je déteste le fromage. Je n'aime pas. Il est sur onéda d'âne. Maintenant, je déteste onéda d'âne. Par le vinaigre, mama asamane. De vinaigre. I hate. Il est à tvedi. I hate. Ma asamane. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Tu as des frères et sœurs? As-tu des frères et sœurs? As-tu des frères et sœurs? Harry grammatical video tama. As-tu des frères et sœurs? Nathan, est-ce que tu as des frères et sœurs? Tu as des frères et sœurs? Et tu as grammatical Harry ne? On a tapé katagan basse mais qui est non? Tu as des frères et sœurs? Et ma non? Et toi de polite question à piquer ne? Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Nathan mais qui est non plus loin? Vous avez des frères et sœurs? Vous avez des frères et sœurs? Netta mema kiyanna puluwan. Avez-vous des frères et sœurs? Timeget grammatical hari bide tama. Avez-vous des frères et sœurs? Netta, est-ce que vous avez des frères et sœurs? Vous avez des frères et sœurs? Grammatical hari nai mona tapika tagana basane gat kiyena. Katara basane tunama kiyanna puluwan. Etokota uttare deddi tim mata eka namge kinek innawa. Tim mema tama kiyanna one. J'ai une petite sœur. J'ai une petite sœur. J'ai une I have une petite sœur qui est a little sister. Et I man qui est man I family members vidéo akara isella un épisode akara. Et kai ogunta ogulo danena tan family members tika gilla balanna. Et abitam ogulonta kiyanna onna mata langi kenek innwa aya kenek ut innwa. Et nemata kiyanna one. J'ai une petite sœur et can end un grand frère. J'ai une petite sœur et un
grand frère. ඉතින් අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕන නම් මට නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ නම Ravina නැත්නම් ඕන නමක් දාන්න පුළුවන්. එමෙතන කියන්න ඕනේ j'ai une petite sœur qui s'appelle Ravina. J'ai une petite sœur qui s'appelle Ravina. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕන නම් මට අයිය කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ නම පුබුදු කියලා. එමෙතන කියන්න ඕනේ j'ai un grand frère qui s'appelle Poubudou. J'ai un grand frère qui s'appelle Poubudou. Et donc, j'ai qu'un I have. Il passe au lequel aïa kamali. Il a parlé à famille members vidéo. Oya te job experience tira de qui la han nonena. Mais maintenant, French link y'a ne. As-tu des expériences professionnelles? As-tu des expériences professionnelles? Pour la question de la capitaine. Avez-vous des expériences professionnelles? Ici, on voit que nous avons habituellement, maman a reçu des cartes de cara, Microsoft Company, accountant qui n'est pas gay. Et qui est même. J'ai travaillé 2 ans chez Microsoft en tant que comptable. J'ai travaillé 2 ans chez Microsoft en tant que comptable. J'ai travaillé kené mama vedekara 2 ans kené aurud degak tin oronto ona aurud da dan puno tin sella man years old wata man kiyati inne oronto on kiyanne kiyati tin french ling aurud deta year api kiyanne on kiyala tin api thum den aurud degak vedekara na 2 ans 2 kené deka on kené aurud tin aurud degak ida she kené in ඉතින් කම්පැනි නම දාන්න chez Apple chez Samsung chez en tant que කියන්නේ as නැත්නම් like en tant que ඊටවසෙ ඔයගොල්ලෝගේ job එක දාන්න. ඒ වගේ අපි තුමු ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් job experience වලත් තියෙනවා නම් අපි තුමු දැන් මම example එකක් ගන්නම්. අපි තුමු ඔයගොල්ලෝ Apple එකේ වැඩ කරා අවුරුද්දක් sales කෙනෙක් වගේ ඊටවසෙ අවුරුදු දෙකක් වැඩ කරා Samsung එකේ sales manager කෙනෙක් වගේ ඊටපස්සේ අවුරුදු 4ක් වැඩ කරා Microsoft එකේ director කෙනෙක් වගේ ඉතින් මේව තමයි කියන්න ඕනේ ගොඩක් experience තියෙන නිසා පිළිවෙල කියන්න ඕනේ ඉතින් මේව තමයි කියන්න ඕනේ දැන් මම කියපු example එකත් එක්ක j'ai travaillé 1 an chez Apple en tant que vendeur j'ai travaillé 1 an chez Apple en tant que vendeur Ensuite, qu'elle est passée, j'ai travaillé 2 ans chez Samsung en tant que manager des ventes. Manager des ventes qu'elle est, sales manager qu'elle est. Enfin, finally, j'ai travaillé 4 ans chez Microsoft, qui est Microsoft Company. En tant que directeur des ventes, il y a sales directeur qui est quoi? En tant que donc on termine en tant que directeur des ventes. Et maintenant il y a une technique pour d'expérience dans l'année. Maintenant qu'il y a une, habillé pour l'entrée qui est nouvelle. Deng, maman va déclarer Sony Company. Deng, alors déjà que non, terminé Company qui est là. Mais maintenant qu'il y a une, je travaille chez Sony depuis 2 ans. Je travaille chez Sony qui a né mais avec un nom Sony Company depuis 2 ans. Ni dans un autre dégât pénant. T'es tellement avec un nom. Puis au lieu de qui a nom, maman Sony Company avec un nom. Audatisse accountant qui n'est pas gay. Mais maintenant qui a nommé. Je travaille chez Sony en tant que comptable depuis 1 an. T'es au lieu de prononcer la marronne mais qui a le plus long. Je travaille chez Sony en tant que comptable depuis 1 an. Et qui m'a dit que c'est celle-là que je voulais dire un exemple avec le right. Et une sentence qui a été faite, ou une expérience qui a été faite, ou une job, ou une campagne qui a été faite, fil qui a été faite, une sentence qui a été faite, ou une French link qui a été faite, ou une job experience. Et maintenant, ඔගලන්ට කියන්න ඕන නම් කොයි භාෂාවද කතා කරන්න කියලා. ඉතින් ඔගලන්ට ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වර්ෂන් එක කියන්න ඕන නම් මම තමයි කියන්න ඕනේ. Quelle langue parles-tu? Quelle langue parles-tu? නැත්තම් ඒක තමයි ග්‍රැමැටිකල් හරියිදිය. නැත්තම් අපි කතා කරන භාෂාවේ මේවත් කියනවා. Tu parles quelle langue? Tu
parles quelle langue? Tu parles quelle langue? Pour la dire même dans quel nom est? Quelle langue parlez-vous? Quelle langue parlez-vous? Également grammatical harivide, n'attend qu'à d'agrin basse et n'attend qu'à plan. Vous parlez quelle langue? Vous parlez quelle langue? Et tout le reste de notre plan même. Je parle, n'attend qu'à d'agrin, je parle, qui en est I speak, maman qu'à d'agrin, non? Et donc, je parle qu'il a passé ou l'onde languages, vitale dans le dernier qui dit que. Je parle singulier. Je parle singulier. Je parle singulier. Je parle singulier et français. Je parle singulier et français. Je parle singulier et français. T'as plutôt que des mamans qui t'apprennent singulier, French, English, Spanish. T'as la langue est à travers ma table longue. T'as et tout le clinique magin a été que on a connu basse de t'apprendre n'importe là. Maman ou t'as donné même. Je parle français, singulier, anglais et espagnol. Et tout le matin langue est à travers poulon n'importe matin même qui a une poulon. Je parle 4 langues. Je parle 4 langues. I speak 4 languages. Je parle 4 langues. Français, anglais, singulier et espagnol. Et maintenant, il y a un peu de temps. Je parle singulier, anglais, français, anglais. Je parle singulier, anglais. Et j'étudie le français. J'étudie le français. Kenne, I'm learning French. I'm learning French, man. French, ingrégano. Ting friendly version, nega, informal veg, même temps qu'il y a non. Quel est ton sport préféré? Quel est ton sport préféré? Et pour la vidéo, quel est votre sport préféré? Quel est votre sport préféré? Au plan tout le plan même. Mon sport préféré est le. Au long de ma route même qui est plan. Mon sport préféré est le. Okay, my favorite sport is. Mon sport préféré est le football. T'es magas ma crida football. My favorite sport is football. Net au plan de plan. Mon sport préféré est le basketball, maintenant le cricket, le handball. What's your favorite color? Regarde, ça m'a parlé de mon gars. I think man, et que man qui a dit là, it is la anit épisode de colors qu'un épisode de I think happy friendly visit happy canne. Quelle est ta couleur préférée? Quelle est ta couleur préférée? Pour la visite happy canne, quelle est votre couleur préférée? Quelle est votre couleur préférée? Et donc, très dernier même, ma couleur préférée est le bleu. Ma couleur préférée est le canne. My favorite color is bleu canne blue. Il y a souvent le color dans le plan, yellow non. Ma couleur préférée est le jaune. Et maintenant, Yann. Voilà, mon adresse studies. Friendly version happy French canne. Qu'as-tu fait comme étude? Qu'as-tu fait comme étude? Et que friendly version, nigga. Polite, même temps qu'il y a un nom, qu'avez-vous fait comme étude? Qu'avez-vous fait comme étude? Qu'avez-vous fait comme étude? Et donc, très dernier celle-là, mon livre qui a un nom, A-level setup et French qui a un nom, baccalauréat. Baccalauréat. Et puis, tout le monde, science qui a un A-level setup, et puis, qui a un French link, baccalauréat scientifique. Baccalauréat scientifique. Et tout le monde est élevé sur le commerce, car on a même temps qu'il y a un nom. Baccalauréat économique. Baccalauréat économique. Et élevé sur le arts, car on a même temps qu'il y a un nom. Baccalauréat artistique. Baccalauréat artistique. Au level, ce qu'il y a un brevet. Brevet. Brevet.
අපි හිතමු ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ නම් මම නිකන් එක්සැම්පල් එකක් ගන්නෙ අපි හිතමු ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ නම් ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ ඒ ලෙවල් වල සයන්ස් කරේ සෙන්ට් පීටර්ස් එකේ මෙන්න තමයි කියන්න ඕනේ J'ai fait un baccalauréat scientifique à l'école Saint-Peter's. J'ai fait un baccalauréat scientifique à l'école Saint-Peter's. Apitam oglonte kyanona elevesert commerce carré Saint-Joseph fege iskole ti memetam kyanone. J'ai fait un baccalauréat économique à l'école Saint-Joseph. J'ai fait un baccalauréat économique à l'école Saint-Joseph. Apitam oglo elevesert arts carré kela All Saints College ti memetam kyanone. J'ai fait un baccalauréat artistique à l'école All Saints. J'ai fait un baccalauréat artistique à l'école All Saints. Il est passé au baccalauréat là. Il est passé dans ma degree à Kara Icon Valley University. T'es bien dans laquelle on est. J'ai fait une licence dans ma degree à Kara. En économie, Econ Welling, à l'université Paris Descartes University, pendant 3 ans. Pendant 3 ans qu'elle à Urdutunak, à Kenne. Ensuite, j'ai fait une licence en économie, étant que l'on est subject de Kenneboulan, à l'université, au Boulangé Université de Namakiela, pendant Enfin, j'ai fait un master en ressources humaines à l'université Sorbonne. Enfin, j'ai fait un master en ressources humaines à l'université Sorbonne. T'es allé prononcer chez Négret. Enfin, j'ai fait qui n'est pas past tense. J'ai fait un master en ressources humaines à l'université Sorbonne. Eating ega past tense ikene oglo masters ivrana ebe oglo apitum den oglo masters karana gamanna mema tama kiyannone enfin finally je fais e kama sentence ga ebe j'ai fait ikene past tense je fais ikene i'm doing j'ai fait ikene i did je fais ikene i'm doing e tore den e kama sentence isla sentence ekama je fais kedan enfin je fais un master en ressources humaines à l'université Sorbonne. Et je m'en finally, mama master's d'incarnat human resources Sorbonne University. Et il m'a dit que je suis en train de faire des French reading, puis tu m'as dit introduce yourself. Et il m'a dit que je suis en train de faire des choses. Mulimma introduce karaddi French reading, English reading, one language ekekin api mulimma kiyanne nama kiyenawa vayasa kiyenawa koyida jeevath wenne yam close ekekin na oyata kiyanna puluwa oyata sahodara inna nan e wage me apithun job interview ekak na mata kiyanne wei oyage job experience ewa monada studies kare oya asa dewal mokadda wage hobbies ehema ඉතින් මම දැන් මගේ එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මගේ ඒවවලට ෆිල් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවා හැම ප්‍රශ්නයකටම අපි උත්තර දුන්නා. ඉතින් ඒ උත්තර එක පිළිවෙලට දිගටම කියාගෙන යන්න තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න අහන්න නැතුව උත්තර විතරක් දිගටම කියාගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට මම තමයි කියන්න ඕනේ. Je m'appelle Trishan. My name is Trishan. J'ai 25 ans. I have 25 years old. J'habite à Paris, and I live in Paris. J'ai une petite sœur qui s'appelle Ravina. Elle a 20 ans. Pendant mon temps libre, j'aime chanter, jouer de la guitare,
faire des vidéos YouTube, regarder des vidéos YouTube, appeler ma copine, écouter de la musique. À propos de mes études, j'ai fait un baccalauréat économique. Ensuite, j'ai fait une licence en économie à l'université Paris Descartes pendant 3 ans. Ensuite, enfin, j'ai fait un master en management commercial à l'école de commerce PPA. Eating mankiwe antimelo mankiwe mag studies gane kiwe ting mama A-level de kare commerce it basse mama degree de kara Paris Descartes kin university ge a ikon rolling aurudu tunak. Il est passé, finally, ma mère master's, business management master, kara, PPA, business school. Enfin, à propos de mes expériences professionnelles, j'ai travaillé pendant 3 ans en tant que chef de projet dans une entreprise qui vend de l'éclairage et écran à LED. Et qui m'a dit que ma job experience gagne, ma අවුරුදු 3ක් වැඩ කරා project manager කෙනෙක් වගේ company එකක LED screens ඒ වගේම LED lights විකුණන company එක project manager කෙනෙක් වගේ වැඩ කරා අවුරුදු 3ක්. ඉතින් ඒක උන්ට අමාරු නම් pronounce කරන්න විදිහ මම කියන්න පුළුවන්. À propos de mes expériences professionnelles, ඉතින් මගේ job experience ගැන j'ai travaillé pendant 3 ans. J'ai travaillé pendant 3 ans en tant que chef de projet dans une entreprise qui vend de l'éclairage et écran à LED. Dans une entreprise qui vend which sells éclairage et écran LED. Éclairage et écran LED qui est LED light and LED screens. Et in demo gulon de karanne tiyenne mage details tika ayin karala ogulonge nama vayasa experience tika daanna etukota ogulonta introduce karanna puluwan ogulonwa thima mege thama basics tika itin man ithama me video ekak ogulo asayen balanna thi kiyala mage parana videos ekak baladdi mege athara spoken mege ehttama watinawa mokada france wala awath naththam pitarata french katha karana rataka giyothin aniwaryenma job interview ekak naththa internship ekak aluthi alu kamuna thin aniwaryenma ogulonwa introduce karanna තමන් ඉන්ටර්වියුස් කරන දැනගන්න ඕනේ මම ඔයගොල්ලන්ට ලේසි විදිහට තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරේ ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ආසයෙන් බලන්න ඇති කියලා අලුත්යක් ඉගෙන ගත්තා කියලා ඉතින් බොහොම ස්තුතියි තමයි වීඩියෝස් බලනවාට අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න ඒක ඇත්තටම ඉම්පෝටන්ට් ගොඩක් වටිනවා ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට්ස් ලයික් ඒ වගේම subscribe කරන්න subscribe කරන්නත් දැන්නම ගිහලා subscribe කරන්න ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ට කට්ටියම ෂෙයා කරන්න ඉතින් හැම අඟහරුවාදා 6ට ලංකාවේ 6ට ෆ්‍රෙන්ච් වීඩියෝයක් මම අප්ලෝඩ් කරනවා ඉතින් අනිවාර්යෙන් ටච් එකේ ඉන්න ඉතින් ලස්සන ලෙසන් එකක අපි හමු වෙමු ciao